mangé le pain! Viens, Mario! Et là aussi, je voulais te parler, Marie-Maude. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Il n'y a pas 36 façons de te dire ça. T'es une sorcière, Marie-Maude. Non. Je te dis, t'es une sorcière. Je t'ai inscrite à Poudlard. C'est une école de sorcellerie. C'est là que tu vas étudier. T'as un costume aussi, tu veux voir? Oui. Mais... chapeau de sorcière, balai. Cool. Charles. Est-ce que je peux me baigner avant de faire mes devoirs? J'ai vraiment besoin de m'aider. Oui, mais Marie-Claude, vois-tu, il faut que je te dise quelque chose. Tu t'en vas à Poudlard. C'est une école de sorciers. Et pour pouvoir aller à ton école de sorciers, je vais te faire apparaître quelque chose. Voilà ton costume de sorcière. Parce que vois-tu, c'est ton costume pour aller à l'école des sorciers de Poudlard. Mais oui, c'est ce que ça va te prendre pour aller à ton école. Cool! Ben, ma belle-mère Claude, faut que je sois bien, bien fier de toi quand tu seras de retour, là. Ben, je te souhaite un beau voyage à Poudlard. Merci. Je t'écris tous les jours. Ben, c'est impossible, là. Attends, maintenant, je comme ça qu'on s'est rencontrés sur le train qui nous a amenés à Poudlard. Et oui, je l'ai invité à s'asseoir dans le siège en face. Puis tout de suite, on a eu un clic. C'est comme si on s'était connus toute notre vie. C'est bizarre. Ben oui, on avait plein de choses en commun. On avait le même jour d'anniversaire. On était toutes les deux sorcières. On aimait les mêmes choses aussi, la musique, le Quidditch. Puis les garçons, ben là, pas toutes les mêmes quand même. La seule différence, c'est que moi, je vis avec mon père. Puis moi, je vis avec ma mère. C'est trop bizarre. C'est comme ça que notre aventure a commencé. Tout de suite, en arrivant à Poudlard, nos problèmes ont commencé. Le collège avait l'air fermé. On était dans le Beaudour, une collège fermée. Pas capable de trouver Dumbledore pour savoir dans quelle maison on allait demeurer.
Il était seulement arrivé quelque chose de terrible. C'est alors qu'on a compris que Voldemort avait sans doute fermé l'école et emprisonné Dumbledore. Il va falloir aller voir le terrifiant Lord Voldemort. Mais dire quelque chose qui nous dérange, hein? Ouais, pour rester calme, hein? Pour dire ça. C'est trop fort. Ok, on relaxe. Pour faire quelqu'un de normal. Ouais. Pour pas qu'il nous chicane. C'est pas juste.